Entrons dans le vif du sujet. Donc, on est au pays de Montargis. Montargis, c'est la Venise du Gâtinais. Montargis est traversée par le Loing et le Canal de Brière. C'est pour ça qu'on l'appelle la Venise du Gâtinais, parce qu'il y a des, de l'eau partout, des ponts partout. Et le Canal de Brière que vous voyez en photo, là, c'est un des plus vieux canaux de France. Il a été construit sous Henri IV pour relier la Seine et la Loire. Et aussi euh, sur la photo, l'élégante passerelle Victor Hugo, qui est le plus célèbre des 131 ponts de Montargis. Mais évidemment, on n'est pas là que pour faire du tourisme. On va parler alimentation avec Amandine, qui est la chargée de mission du projet alimentaire territorial. Amandine, euh, le territoire du Montargois, le Gatinet, historiquement, euh, c'est connu pour le miel. Le miel du Gatinais. Euh, mais aujourd'hui, ce sont plutôt les céréales qui dominent. Oui, euh, oui exactement. Les, les produits historiques, euh, les produits emblématiques du, du territoire du, du Gatinais-Montargois, euh, c'est le miel, le, le cidre et euh, le safran. Mais aujourd'hui, on est surtout sur un territoire euh, principalement euh, céréalier, surtout sur la partie euh, est, donc euh, blé, orge, colza, euh, principalement pour euh, de l'alimentation la, euh, animale, mais aussi alimentation humaine. Mmh. Vous mangez de l'orge et du blé et du colza. Très bien, parfait. Euh, mais pas que. Vous mangez plutôt ce qu'il y a en bas, là, sur la photo. C'est ça, oui. C'est la polyculture, élevage Évidemment, oui. Pas, pas uniquement, euh, du... On ne fait pas uniquement des céréales. On a donc euh, du maraîchage, euh, de. Euh, de des vergers également notamment avec le cidre mais on a voilà de la polyculture élevage bovin et, et caprin et donc là c'est surtout sur la partie euh, euh, sud-ouest du territoire. Alors, la polyculture élevage je le rappelle c'est ce système agricole génial qui existait partout avant puisque c'est la base hein, c'est ce qui permet aux gens de se nourrir. Et qu'on a, après-guerre, supprimé partout en France pour faire des monocultures, ce qui fait que chaque région est spécialisée et les, et les sols ne sont plus enrichis euh, par le fumier du bétail. Donc, ça serait bien d'en remettre un petit peu partout. Et au moins, ton rôle, c'est entre autres de maintenir cette polyculture élevage, j'imagine. Oui. Euh, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui font de la vente directe, je crois. Oui, on a à peu près une centaine de producteurs en vente, en vente directe. Et donc, dans le, dans le cadre du projet alimentaire, on a un réseau des producteurs locaux. Donc, on a à peu près 80 producteurs adhérents. Tous voilà, ne, ne fournissent pas la restauration collective, mais une certaine, une certaine partie, oui. Et du coup, c'est le paradis pour la restauration collective. Alors, puisque vous avez des producteurs en vente directe, de la culture élevage, pas de problème d'approvisionnement on aimerait, on aimerait, on travaille, on travaille pour ça, mais, mais c'est pas, pas le cas. Euh, donc voilà, il y a certaines contraintes hein, sur le, celles qu'on connaît euh, sur, sur l'approvisionnement notamment local. Euh, mais on a, euh, on a, la chance sur le territoire d'avoir euh, cinq, euh, cinq collectivités, cinq restaurants qui sont euh, très engagés, qui sont moteurs sur tout ce sujet de la restauration collective. Donc c'est notamment les cinq qui sont engagés dans mon resto responsable. Comme je disais, on a on a pas mal de, de producteurs en vente. Euh, une vente directe qui, qui permet d'approvisionner les, les restaurants et puis on a la chance d'avoir la légumerie, une légumerie donc euh, d'insertion, la, la légumerie de la paguée qui permet de... de... De faciliter l'approvisionnement euh, en produits bruts et locaux euh, des, des restaurants. Euh, C'est-à-dire que la légumerie va acheter des produits euh, majoritairement bio aux producteurs locaux et euh, va s'occuper de les laver, les éplucher, les découper. Et donc euh, le, le restaurant reçoit les produits euh, prêts euh, prêt à cuisiner. Oui, alors quand tu dis que c'est une chance, elle n'est pas venue toute seule cette chance quand même. Non. <laughs> non, non, il y a eu plusieurs années de travail évidemment. Et aujourd'hui, on continue de travailler au maintien et au développement de la légumerie. Et euh, vous avez lancé au niveau du projet alimentaire de territoire un AMI un, AMI, un appel à manifestation d'intérêt basé sur mon resto responsable, autour du projet mon resto responsable. Et alors, est-ce que ça a vraiment suscité un intérêt Dans un premier temps, ça a été voilà, un peu compliqué. Bon, ben voilà, il y avait le, le, le cœur, hein, les, les établissements moteurs, évidemment. Et après, bon, ben, en tant qu'animatrice du, du projet alimentaire, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée un peu allez, donc, voilà, dans toutes les communes pour... Euh, pour justement promouvoir la démarche Mon Resto Responsable et promouvoir l'accompagnement que le projet alimentaire propose. Et pourtant, euh, tu ne proposais pas des conditions drastiques pour cette AMI On demandait une équipe projet Mon Resto Responsable avec euh, le, donc des agents, donc, euh, notamment le chef de restauration, mais on demandait aussi des, euh, des responsables, donc soit dans le cadre de communes des élus euh, ou bien euh, dans, dans le cadre de restaurants privés, un responsable administratif. Et la deuxième condition, c'était de travailler sur euh, les trois grands critères de la loi EGALIM, l'approvisionnement en produits de qualité, la végétalisation des assiettes, et ensuite, qu'il l'ait un peu moins dans la loi EGALIM, mais qu'il l'ait dans notre stratégie de projet alimentaire, l'approvisionnement local. Mmh. Et, et toi, tu vas les accompagner du coup oui, exactement. donc, euh, l'objectif, euh, c'est euh, déjà de faire groupe, euh, de qui, qui se retrouvent et qui, euh, qui les échangent. Euh, voilà, on sait qu'à plusieurs, à plusieurs, on, on va plus loin. et, euh, et puis, euh, avec des accompagnements, donc, euh, euh, trois accompagnements euh, en collectif euh, pendant deux ans. Euh, C'est à minima, hein, s'il y a besoin de plus, il y aura plus de, de rendez-vous en collectif euh, qui peuvent prendre différentes formes. Euh, et puis, euh, un accompagnement individuel par an pour euh, faire le bilan ou pour euh, débloquer des points euh, si nécessaire. Et du coup, ce calendrier, il a peut-être pris un petit peu de retard, non Je te vois sourire, <laughs> comme toujours. C'est pas grave. Le, ben, comme tout projet, il faut le planifier il faut poser un calendrier. Mais, euh, mais oui, on a pris un petit peu de retard. Euh, mais euh, voilà, ça, on devait commencer vraiment l'accompagnement en septembre. Il y a déjà eu une première réunion en septembre, mais là, les séances d'engagement mon resto responsable vont, vont arriver euh, plutôt fin novembre, début, début décembre. Eh bien, merci pour ce témoignage. Donc, euh, voilà, tu nous as expliqué qu'il y a des restaurants engagés sur ton territoire qui te servent d'appui. Eh justement, on en accueille trois euh, qui vont témoigner aujourd'hui. Donc, euh, ces trois restaurants sont… Euh, la ville de Courtenay, où Stéphanie sert 300 repas par jour dans un restaurant. Euh, la ville de Montargis, où c'est Eric qui sert 1100 repas par jour dans 8 restaurants en liaison chaude depuis une cuisine centrale. Et enfin, le village de Saint-Germain-des-Prés, qui sert 130 repas par jour chez Jérôme, qui est euh, aux cuisines et donc qui sert dans un seul restaurant 130 repas par jour. On va présenter les pratiques responsables en s'appuyant sur les quatre piliers et les douze axes de progrès. Mon resto responsable, certains d'entre vous sont familiers de ces quatre piliers et de ces douze axes de progrès. Ils vont s'afficher en haut à gauche de l'écran. Donc là, on va commencer par le pilier assiette responsable et l'axe de progrès agriculture responsable. On voit que pour le bio, vous avez les chiffres, pour le bio, les trois ont nettement dépassé l'objectif de 20% fixé par la loi Egaline. Et si on ajoute les produits durables, ils en sont entre 45 et 78 bio compris. Pour un coût matière qui, somme toute, reste raisonnable, et ça c'est une très bonne nouvelle, ça montre qu'on peut atteindre les objectifs de la loi Lim pour un coût matière raisonnable, vous voyez, aux alentours de 2,20 euros. Alors, la championne en la matière, même si on n'est pas là pour comparer les restaurants les uns par rapport aux autres, mais tout de même la championne en la matière, c'est Stéphanie qui arrive à 58% de produits bio, plus 20% de produits durables non bio, tout ça pour un coût matière de 1,92 €. Mais tu m'as dit que c'était un sport olympique. Explique-nous comment tu fais. Oui, effectivement, c'est vraiment un sport olympique. Il faut avoir son téléphone tout le temps griffé à l'oreille. Euh, alors, on a la chance de pouvoir travailler en flux tendu, donc de pouvoir commander euh, à la semaine en fait. Euh, on appelle euh, régulièrement nos, nos fournisseurs, on passe pas nos commandes par Internet ni, euh, ni par, euh, par mail en fait, on les appelle directement. Ça nous permet de pouvoir négocier avec eux les, les dates courtes, tous les produits bio en date courte, tout ce qu'ils ont en... En DLC, euh, alors des fois c'est vraiment très très court parce qu'on n'a que quatre jours. On adapte les menus en fait au niveau des, des commandes et ça nous permet de pouvoir acheter du bio à 40%, enfin à moins 40% de ce que nous coûterait du conventionnel. Donc on fait vraiment une très très grosse économie là-dessus. Ça prend du temps effectivement, mais, euh, mais voilà, ce, ça se voit sur le, ça se retrouve sur le prix de revient. C'est un euh... sport olympique qui se pratique au téléphone. Et pour les voilà. petits producteurs, en revanche, ce n'est pas la même, euh, la même technique. Non, c'est différent. Bon, en fait, grâce à l'économie qu'on fait à ce niveau-là, ça nous permet de pouvoir acheter à nos producteurs locaux, en fait, euh, assez régulièrement, en... sans, sans leur demander un très, très gros effort sur le prix. Et ça euh... nous permet aussi, lorsque... On a, on a nos fournisseurs, nos gros fournisseurs au téléphone, en fait, d'acheter de cette façon. Euh, le jour où on a vraiment besoin d'un produit de, de, de très grande qualité, d'avoir un prix euh, bien plus avantageux que ce qu'on si aurait d'ailleurs. C'est la... du donnant, du donnant Donc, voilà. voilà. Je t'arrange pour certains cas et puis d'un autre côté… Bah quand on a voilà, besoin d'un petit effort. En fait. ben merci, on te retrouve tout à l'heure. On va passer la parole à Jérôme. qui Jérôme, il est à Saint-Germain-des-Prés. Alors, ton Saint-Germain-des-Prés, à toi, Jérôme, c'est pas dans Paris, hein, on le voit sur la photo. Il euh, y a vraiment des Pré, il y a des cultures. <laughs> est euh, a plus, des on est plus campagne, oui. On est plus campagne que, que grande ville. C'est un petit village de 1900 habitants. Donc, euh, voilà, on est, on est très loin de Paris. Et il y a des producteurs, pour le coup c'est ça, donc on a la chance, donc comme, on, comme je t'ai dit, on est en campagne, donc on a la chance d'avoir des, des producteurs, une production maraîchère euh, bah, tout à côté de l'école. De donc euh, j'en fais profiter les, les, les enfants. Alors, Et, quand tu dis tout à côté, vous y allez pas à pied, c'est quand même une petite expédition. Non, oui, on a, on, oui, on se déplace en général une fois, une fois par an ou, ou deux fois par an, ça dépend. Donc, euh, bah on prend le bus. En fait, j'organise les, les sorties en, en relation avec les institutrices et puis les producteurs. Et puis, on réserve des bus, mais on, on part à trois classes. Donc, ça fait deux bus, euh, deux bus en général. Ça fait une petite expédition. Donc, chef d'expédition, chef de cuisine. Ça, on, on a tous les rôles. De... Dans, dans les petits villages, dans les petites communes, on a, on a un peu toutes les casquettes. Mais bon, on s'adapte à... Bon. Eh bien, écoute, Merci, on te retrouve plus tard. Oui. Et euh, on passe la parole à Eric, qui lui, Eric, gère une cuisine centrale. Donc Eric, même si tu produis en liaison chaude, les enfants ne voient pas que c'est cuisiné. Et toi, ça te paraît indispensable de leur montrer. Bah, c'est ça, exactement. Euh, en fait, nous, on fait une visite euh, deux fois par trimestre à la cuisine centrale. Euh, afin de leur montrer aussi le, le fonctionnement de cette cuisine, le rôle aussi de chacun. Et, euh, et comme ça, euh, bah, ils se rendent compte un petit peu aussi euh, bah, de ce qu'ils ont dans l'assiette, euh, le, le travail qui a été fait en amont. On fait aussi des ateliers euh, pendant cette visite euh, sur des pâtisseries, surtout des pâtisseries, hein, du coup euh, des, des choses simples aussi. Euh, on on attend qu'ils cuisinent vraiment dans la cuisine centrale. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, par petit groupe, hein, Patrice, hein, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, tous les enfants. Oui. Hein bah, et ça, c'est une question que je, pose, je me pose. Tu as un millier de convives, donc même si tu en fais deux par trimestre, euh, tu sélectionnes alors, euh, quand il y a un projet pédagogique derrière comme, comme Alors, la, sé la sélection, c'est en fait, on, on va faire ces ateliers pendant les centres de loisirs, Ou de 1100 repas, on passe à 150 repas, et du coup, on va privilégier aussi les, les primaires. Par rapport au, mater, quoi. au maternel. D'accord. Après, il y, a aussi, euh, il y a aussi les marchés de Noël où on sort un peu de notre cuisine et on fait des dégustations euh, justement euh, sur trois recettes et on, on donne aussi, euh, ça soit aux enfants ou aux gens qui sont au marché de Noël, des recettes pour faire à la maison sur des petites quantités, pas je sur 1100 sou... Oui, je me souviens d'avoir vu une photo là-dessus. C'était très sympa. Malheureusement, bah, on n'a pas le temps puisqu'on essaye sur le webinaire d'être assez, assez concis. Euh, mais on se retrouve euh, et euh, on va passer au bien-être. Euh, donc, euh, le bien-être avec tout d'abord l'échange avec les convives et là. C'est Jérôme qui va intervenir. Les enfants, Jérôme adore tes lasagnes végétariennes au Lanting Bio, hein, puisque l'enquête de satisfaction monte 89%. Moi, ce que j'adore, c'est ta boîte à miam, que j'ai trouvé absolument géniale. Euh, quand est-ce que tu t'en sers de cette boîte à miam alors, euh, alors, je m'en sers, euh, j'ai mis ça en place à peu près, il y a à peu près un an, et je m'en sers en général pour, euh, bah, pour savoir les nouveaux plats, en fait, sur les nouveaux plats ou les plats végétariens. Donc, il s'agit d'un système de vote, avec les bouchons. Et donc, euh, donc, les enfants, à la fin du repas, vont voter. Donc, ils choisissent un bouchon en fonction de l'appréciation la, du plat. Donc, s'ils ont bien aimé un vert, euh, s'ils ont moyennement aimé un bleu, et puis un rouge s'ils n'ont pas aimé. Donc, ils mettent leur petit bouchon dans la, dans le, dans la boîte à miam. Et, et le euh, résultat du vote, c'est le lendemain Le résultat, je le donne le lendemain, puis on fait un petit, un petit débriefing, à savoir euh, les points négatifs, les points positifs. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer euh, pour la fois prochaine. Et, et il paraît que tu as même osé leur mettre des légumes dans les pâtisseries. Ça a donné quoi comme résultat oui, de votre... Oui, oui, très bon, très bon résultat pour le brownies euh, brownies au chocolat à base de haricots rouges. Donc euh, non, non, c'est à refaire en fait. Ça, ça change juste la juste la la texture qui change, mais le goût, le goût est le goût est le même. Merci, Céphanie. Euh, euh, toi, tu prends pas le risque de présenter à 300 enfants un repas si tu ne l'as pas encore testé à l'avance. Et pour les tester, tu impliques les enfants dans la mise en place des nouvelles recettes, non seulement pour le test, mais pour le vendre aux autres. Euh, pour ça, tu t'appuies sur un groupe de bons mangeurs. Comment ça marche Voilà, exactement. Donc on a un groupe de bons mangeurs qui va du CP au CM2. Et en fait, on fait un petit plat test pour ces, pour ces enfants-là, où lorsqu'on veut mettre une nouvelle recette au menu, avant de la mettre pour 300 et éviter un gaspillage pas possible si jamais ça ne leur plaît pas. En fait, on leur fait tester euh, à eux directement la recette. Donc, ils ont un système de notation entre. Euh, alors, si c'est entre 1 et 4, euh, on retire la recette et puis, euh, bon, bah, on se remet en question et on change, on met autre chose. Euh, entre 5 et 7, en fait, ils vont, ils vont marquer les idées et la façon dont ils veulent, dont on change la recette, euh, afin qu'ils s'approprient complètement la recette. Et si c'est entre 8 et 10, on la présente au aux... aux autres enfants. Et ils s'approprient parce qu'ils ont la fiche technique en fait quand tu leur fais goûter. Voilà, ils ont la fiche technique, on la lit avec eux, on leur explique tout ce qu'il y a dedans, ils savent tout, donc ils vont rajouter. Alors des fois, c'est pas grand-chose. Ça peut être euh, voilà, comme là par exemple, le poisson au... Au... au lait de coco et au curry. Bon bah, ils vont vouloir un petit peu plus de curry, un petit peu plus de persil. Enfin, c'est vraiment, c'est des petites choses, mais ils ont vraiment l'impression que voilà, la, la recette leur appartient. Après, il, il... Oui. faut qu'ils l'assument. Voilà, faut qu il faut qu'ils l'assument. Ça m'a ça beau. beaucoup plu, faut il faut qu'ils l'assument, c'est-à-dire c'est eux qui vont vendre le plat à leurs copains le jour J. Exactement, donc ils sont en petits groupes, ils passent par table et en fait, c'est eux qui expliquent ce qu'il y a dans la, dans la recette et euh, qu'ils ont apprécié, que c'est eux qui ont fait la recette et ils demandent aux autres de goûter en fait. Les mêmes mots que nous, on pourrait leur dire, mais quand c'est les copains qui le disent, bah forcément, ça fonctionne tout de suite euh, beaucoup plus vite. Pour Jérôme, euh, vous vous avez des ateliers diététiques. Les enfants mettent la main à la pâte de temps en temps aussi. On les voit faire des gâteaux là. Et puis, euh, et puis des fois, tu leur fais goûter des trucs bizarres. Euh, tu n'es pas tout seul pour faire ça, j'imagine. Non, non. Donc euh, bah, une fois par an, euh, pendant la semaine du goût, en fait, on organise des ateliers, euh, ateliers goût. Donc on leur fait on leur fait découvrir bah, tout un tas de tout un tas de choses de produits. Donc euh, bah c'est j'ai l'aide ai des parents aussi, des, des parents bénévoles et puis des instits euh, qui, qui me qui donnent euh, qui me donnent bien un, un bon petit coup de main. Quand je disais que c'était le paradis chez vous, les parents qui aident, les instits qui aident, ouais. et même une diététicienne, je crois, là. C'est ça, donc on a la chance euh, d'avoir une diététicienne, donc elle me valide mes menus, et puis euh, elle, nous, elle nous propose des ateliers diététiques. Donc notamment pour la, la composition d'un petit déj et ensuite donc les enfants apprennent à composer un petit déj avec, avec elle Et la semaine d'après, en général, j'organise un petit déj à l'école et c'est à eux de composer leur petit déj en fonction de, de ce qu'ils ont appris. Donc je leur fabrique des, des brioches maison, euh, du miel, on prend des produits locaux, du miel, du jus de pomme bio. et Le miel dont on a tout. parlé tout à l'heure, du gâtinais. Voilà, évidemment. On va passer aux éco-gestes avec le gaspillage et les déchets comme premier axe de progrès. Et là, on va donner la parole à Eric. Euh, Eric, c'est un petit peu plus compliqué pour toi puisque en tant que cuisine centrale, ben, tu es confronté comme tout le monde au problème du gaspillage, mais tu vois pas directement la consommation dans les salles. Euh, pourtant, la mise en place du tri des bureaux déchets, ça t'a rendu un bon service. Pourquoi alors déjà, bah, on est tous, je pense, en tant que cuisiniers, euh, confrontés à ce problème aussi, hein, le gaspillage alimentaire. Euh, en fait, nous, euh, c'est vrai que depuis 2019, on travaille avec euh, la 3CBO. C'est euh, du coup dans le coin où euh, les, les déchets euh, sont récupérés pour être transformés en méthanisation. On a équipé les réfectoires de tables de tri avec l'affichage. Donc forcément... Euh, les enfants, déjà le personnel a été formé. Ensuite, on a, enfin, on a expliqué aux enfants qu'il euh, y a des animations. Euh, et du coup, euh, on va sur les, sur les pauses méridiennes aussi, échanger avec les enfants. Et euh, à chaque trimestre, en fait, j'ai un relevé sur les quantités, euh, les tonnages de déchets par satellite, ce qui me facilite euh, effectivement après le chiffre. Dans le sens où on récupère les, les données, moi, en fonction des effectifs, pour faire une moyenne par enfant de déchets par, euh, par école. Donc, euh, on a pu constater aussi, ce qu'on avait mis en place, c'était le pain euh, au moment de l'entrée et pas le donner le pain avant. Alors, je ne dis pas qu'il faut interdire le pain, au contraire, mais euh, le mettre au moment de l'entrée. L'enfant, euh, comme ça, mange en même temps et, enfin. Et, euh, c'est un accompagnement le pain. Un accompagnement, exactement. Que, voilà. On est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Ça, ça a été difficile au départ, vraiment à changer les habitudes. Euh, et puis bah, après, en fonction aussi des menus, en fonction des recettes, des ingrédients, euh, du légume aussi, parce que les épinards, c'est toujours un peu plus compliqué, quand, quand même le chou rouge ou autre. Mais on est là pour aussi pour la découverte des goûts et des saveurs. Donc, euh, voilà, on fait très attention, mais même malgré tout, encore à l'heure actuelle, cela reste compliqué. Donc, on réduit, euh, on, a, on a des satellites où, euh, où on a 80 grammes, euh, voire un peu moins, et d'autres euh, plus de 120, euh, 120, 130 grammes. Après, euh... il, y a, il y a les épluchures, il y a de ça qui sont pris, euh, tout est pris en compte, hein, bien sûr, ouais. euh, des fruits euh, ou autres mais bon. D'accord. Bah, écoutez, chacun fait ce qu'il peut en matière de gaspillage. En tout cas, le fait d'avoir un retour déposé, ça t'a vraiment aidé. Exactement. On va passer euh, toujours dans les éco-gestes aux produits d'entretien. Les produits d'entretien le produit avec euh, Stéphanie, qui a une méthode assez radicale, en fait, euh, zéro produit dangereux. Donc, euh, tu as donné un coup de pied à tous les bidons. Enfin, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça. Euh, tu as peut-être fini les stocks, j'imagine, mais euh, supprimez maintenant toutes les étiquettes que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, euh, le chiffre 0, c'est vraiment zéro produit dangereux, que ce soit pour le personnel ou les milieux aquatiques, l'environnement. Mais pourquoi le chiffre 5 C'est un chiffre magique oui, c'est un peu ça. En fait, euh, on a réduit, parce qu'on s'est aperçu, on a, on a fait un état des lieux des de tous les produits qu'on utilisait. On s'est aperçu que certains revenaient, enfin, euh, avaient exactement le, le même effet. Donc, en fait, on a tout réduit à cinq produits. Avec cinq produits, on arrive à s'occuper des sols, des locaux, des tables, de la cuisine, des sanitaires. Enfin, les, les cinq produits suffisent. On a fait un gros tri. Euh, puis une réunion d'équipe pour un échange euh, avec le, le personnel. Euh... Oui, parce qu'il y en a qui préféraient le parfum fraise, l'autre parfum abricot. Et, euh... Voilà, il a fallu l'amener en douceur. Euh, mais en fait, on a réussi à trouver des, des cinq produits qu'on utilise à l'heure actuelle, euh, écolabellisés qui, euh, qui nous servent bah, toute l'année. Donc, euh... c'est bien un chiffre magique. Par contre, il euh, n'y a pas d'impact sur l'environnement, mais est-ce qu'il y en a sur le porte-monnaie alors, effectivement, à l'achat, ils sont plus chers. Sauf qu'on a, on a des centrales de, de nettoyage, comme un peu partout, je pense. Euh, effectivement, ils sont plus, plus chers à l'achat, mais sur le dosage, le dosage n'est pas le même. En fait, sur un produit conventionnel, où on va au niveau du, du produit où ça va être... Euh, on va utiliser 0,5 de, de produits. Sur un produit écolabel, on va en utiliser que 0,05. Donc, donc, donc ils sont plus concentrés, en fait. Voilà, plus concentrés. Donc à la fin du compte, en fait, on s'y retrouve. J'avais un peu peur au niveau des, des, des éléments de surface, être sûr que, que tout fonctionne. Donc on a fait venir un laboratoire, on a fait des, des essais, des analyses, et en fait, nos analyses sont bonnes. Donc, euh... Donc, on bon gagne temps. de l'argent, on gagne de la place dans les stocks et, euh, et tout. Et, et le personnel gagne de la durée de vie, à mon avis, ce qui n'est pas aussi, négligeable. C'est beaucoup. Bah comme ça aussi qu'on a commencé à leur expliquer que c'était aussi beaucoup moins nocif pour, pour eux. On est bien d'accord. Éric, euh, on va passer avec toi à l'engagement social et notamment l'implication du personnel puisque euh, le social, pour nous, c'est d'abord le propre personnel de la restauration. Euh, tu es un adepte du management d'équipe pour maintenir la motivation. Donc, comment ça se passe là Notamment, là, on voit sur la photo, pour les menus. Alors, oui, c'est vrai qu'on m'avait dit que j'avais un management participatif, dans le sens où j'aimais euh, bah, responsabiliser tout le monde et être à l'écoute aussi, pour proposer des idées. Chacun avait ses idées à proposer. Après, ils doivent être validés aussi en fonction de l'équilibre alimentaire, donc par une diététicienne. Euh, et du coup, en fait, on a un temps d'échange soit euh, lors du repas ou après le, le retour euh, de la production, enfin, du service, parce qu'en fait, les agents partent dans les réfectoires récupérer le matériel du jour et en même temps demandent toujours le retour, comment ça s'est passé dans, dans les réfectoires. C'est ce qu'on oui. voit sur la photo à droite là. Et alors là, c'est surtout la photo à droite, c'était sur la mise en place du lendemain, l'organisation du menu et qui fait quoi. Parce que le but, c'est que tout le monde tourne à chaque poste. Ils ne sont pas dans une routine aussi. Et justement, c'est ce qu'on dit. Si les cuisiniers prennent plaisir à cuisiner, bah, ça va se ressentir aussi dans, dans l'assiette de l'enfant, quoi, je veux dire. Donc, et puis bah, l'implication aussi là, du chef de production sur la gauche qui tape les menus en fonction de nos échanges. Bah. Merci. Et Stéphanie, euh, toi, tu mets le paquet sur la formation du personnel. Oui. Je pense que c'est ce qui a de plus important. Comme je leur dis tout le temps, si eux ne sont pas là, moi, je suis rien du tout, en fait, sans eux. Euh, J'ai envie d'avoir du personnel qui arrive avec le sourire et l'envie de travailler. Donc, il est vraiment important qu'ils qu se forment, en fait, qu'ils comprennent qu l'importance de tout ce qu'on fait. Il y a deux formations pour chacun par an, une théorique et une pratique. Euh... C'est bien, donc, ça coûte finalement pas très cher parce que c'est via le CNFPT Via le CNFPT, donc en fait toutes les formations sont prises en, en compte. Ils ont quand même un catalogue qui est, euh, où il y a quand même beaucoup de choix. Donc, euh, donc voilà, ils évoluent et, et sur la formation aussi, euh, donc pour le côté travail, mais aussi pour, euh, pour eux-mêmes en fait, qu'ils puissent euh, comprendre et prendre conscience qu'ils sont capables de faire plein de choses. Mais alors euh, vraiment aussi, tu dis, euh, suffit pas d'être formé, il faut aussi arriver avec le sourire en arrivant au travail. Et ça, ça tu as une recette pour ça euh, Donner beaucoup d'énergie <laughs> et être avec eux euh, le maximum en fait. C'est euh, vraiment important et pousser chacun, à leur faire comprendre qu sont, que chacun est important, que chacun a sa place et que, et que tout le monde peut faire de grandes choses. Donc, euh, donc voilà, et s'assurer qu'ils soient bien. Pour euh, Eric, euh, tu impliques, toi, les convives dans la décoration des salles. Oui, effectivement, euh, avec euh, donc les menus à thème. Donc là, forcément, on voit les photos, c'était euh, d'un menu... Le, non, le non, tu ne le dis pas, ils, ils, vont, ils vont deviner, je pense. Je pense. <laughs> et, et du coup, hormis Halloween ou Noël, c'est depuis 2021, on fait un menu à thème par trimestre. Donc là c'est sur les pays, après il y aura les régions. Et en fait euh, à l'époque, on arrivait avec les fournisseurs, on arrivait à avoir des kits euh, pour décorer euh, les réfectoires. Et là le but c'était d'impliquer les enfants. Donc forcément, on donne ça en début d'année, donc pour qu'il y ait au moins trois mois d'avance pour cette préparation et du coup, je trouve euh, je trouve ça important d'impliquer les enfants parce que les boulangeries ils sont fiers aussi et le menu passe bon, d'autant mieux quoi. Donc, et ça implique, euh, c'est fait pendant le temps de l'enfant pendant... personnel ou pendant et... le temps d'accompagnement d'animation Alors, l'animation euh, juste après, soit juste après ou juste avant le repas, parce que c'est en passant de deux services. Donc, euh, ça permet d'avoir une animation, eux de leur côté, le, bah, pour faire des dessins et autres. Quoi. Oui, donc ça implique pas seulement des enfants, mais évidemment le personnel d'animation. Le personnel, exactement. Donc euh, Et ça, on a mis ça en place et on trouve ça vraiment bien. Et les réfectoires sont vraiment bien décorés. Quoi. Et qu'est-ce qui accroche finalement les, les décors Alors, bah, alors si c'est en hauteur, ça va être forcément les adultes, donc les animateurs, mais après, il y a les enfants aussi euh, qui participent en fonction des réfectoires aussi, euh, euh, là où on peut les, les disposer, parce qu'on fait attention. Après, on a des remontrances comme quoi qu'on fait des trous ou autre, alors qu'il y a la patafixe, mais bon. On fait attention à tout. D'accord. Donc ça paraît en tout cas c'est réussi hein, comme résultat. Bravo. Ouais. Et, et je passe la parole à Jérôme. Toujours aussi chanceux puisque Jérôme, la mairie a créé un potager municipal sur ça. le terrain de l'école. Donc <coughs> là on le voit l'école, on voit l'école en photo. Il y a un terrain potager municipal. Toute la production c'est pour toi, mais est-ce que c'est toi qui cultive non, non, non c'est pas, pas, moi, j'ai pas, pas forcément le temps. Donc, euh, oui, on a as la chance. pas de... le temps de cultiver non, les légumes pas... et que tu tout sers... <laughs> Je ne suis pas multitâche. <laughs> euh, donc euh, oui, effectivement, on a la chance d'avoir un jardin potager qui a été qui a été créé par la mairie. Donc, euh, on a un agent technique qui, qui s'occupe du, du jardin, des plantations. Et puis moi, je m'occupe principalement de la récolte, en fait. Je vais me servir. Euh, oh, ça, c'est pas le plus compliqué, en fait. En fonction des saisons, non, non, c'est pas le plus compliqué, non, effectivement. Non, non, Et mais... Les enseignants, est-ce qu'ils utilisent ce euh, jardin, du coup Oui, ils, vont, de ils, font des, ils font des petites visites euh, régulièrement avec les, avec les enfants. Par Et contre, les enfants ne cultivent pas eux-mêmes non, pas non, pas. Ça pourrait être mis en projet, c'est vrai, mais. Euh... Deux, trois radis par ci par là que tu pourrais passer en entrée, oui, ça serait bien. En, dans les petites jardines, ça peut, ça peut se concevoir. Non, mais euh... ça, me, ça me permet d'avoir une petite production. Puis euh, j'ai notamment les herbes aromatiques, donc je n'ai pas besoin de les acheter. J'ai le, tout ce qu'il faut sur place. Donc, euh, donc je sors de ma cuisine, je vais me servir, et puis voilà, c'est... C'est très, très bien. C'est très bien est -ce, comme Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as eu des, des choses ici oui. du jardin au menu Oui, oui j'avais j'avais quelques laitues dans le, dans le jardin. Donc était comme il y a la, les gelées les, les gelées commençaient à arriver, je me suis précipité là. J'ai été les cueillir et puis j'ai servi à midi. Donc tu vois, on, tu vois Et comment les enfants le savent ils mangent quelque chose du jardin, je, leur, euh, je leur je leur spécifie je leur je leur dis euh, je leur dis puis ils, ont, ils peuvent le voir aussi euh, pendant le, le service comme, euh, comme le jardin est vraiment attenant à, 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 la, à la cantine au réfectoire ils ont, ils peuvent, euh, ils ont la vision sur le jardin donc, euh, donc, un vrai paradis c'est vrai c'est ça et eh bien merci Merci. Euh, on va passer à la phase de réponse aux questions. Et donc, euh, Marie-Cécile Rollin, en tant que directrice du réseau Restocote, est, je pense, la mieux placée pour animer cette partie. On a une petite dizaine de minutes euh, pour répondre aux questions qui ont pu être posées dans le chat. S'il y en a, donc je te laisse les remonter puis prendre la parole. Alors, il y a d'abord quatre questions pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres. La première, c'est pour Amandine. Euh, quel est le rôle du PETR dans la démarche mon resto responsable L'objectif du PETR dans le cadre de son projet alimentaire, euh, c'était euh, de. Euh, d'essayer de dynamiser euh, le, le territoire par rapport euh, à mon resto responsable. Justement, on avait déjà les cinq restaurants qui étaient engagés dans mon resto responsable et on on a vraiment vu là l'opportunité de développer euh, le, enfin, ce réseau et cette démarche sur le territoire. Euh, donc, euh, notamment en proposant euh, l'appel à manifestation d'intérêt euh, pour donc faire connaître la démarche et en proposant euh, un accompagnement plus particulier, euh, donc avec justement un espace, euh, un groupe de chefs, donc un espace d'échange entre eux, euh, mais aussi entre les élus. Euh, sur les, les 11 lauréats, on a, on a dit, euh, dit euh, restaurants scolaires. Et puis, ça nous permet aussi, euh, sur certaines problématiques, euh, de... Euh de mutualiser les, les forces et notamment aussi le, bah, le, le budget, hein, la question du budget et donc euh, par exemple dans le cadre de formation euh, plutôt que chaque chef parte faire sa formation à droite à gauche, on pourra faire venir une formation sur le territoire euh, et puis euh, sur la, la dernière réunion on a parlé justement du, du sourcing, ils aimeraient euh, voilà les chefs aimeraient avoir un annuaire de fournisseurs de enfin de, de produits de producteurs locaux notamment et donc, euh, le, là, mon rôle, ça va être d'organiser ce, ce projet euh, avec les chefs. Oui, on voit tout ce travail de coordination, d'animation, également de, de mise en commun de ressources. Ça. Merci. Ensuite, on a une question pour Stéphanie. Par rapport aux achats, vous avez évoqué effectivement des pratiques d'échange régulier avec les fournisseurs. Euh, la question qui est posée par Florence, c'est de savoir si vous, comment vous faites par rapport aux appels d'offres. Au niveau des marchés publics, en fait, euh, on a tout découpé par lot et il y a un gros travail de négoce qui est déjà fait en amont avec les, les bordereaux de prix, en fait. On... Tous les produits qu'on utilise le maxi... enfin, au maximum, en fait, sont déjà des prix, des prix assez bas, surtout en bio. Et en fait, on rappelle, euh, on rappelle les, justement nos fournisseurs, euh, comme je vous disais, pour négocier des prix qu'on a déjà au, au marché, mais encore plus bas, euh, il nous faut encore des, des remises dessus. Par rapport au prix, euh, au prix de, du marché de la pelle, Donc, je pense que la question voilà. était là-dessus parce qu'on est un peu en dehors des pratiques habituelles. Alors oui. <laughs> Donc on l'aura compris. Euh, et une autre question encore pour vous, par rapport au produit d'entretien, quelqu'un demande si vous avez trouvé un produit euh, euh, éco-responsable pour le nettoyage des fours. Oui. Euh, alors c'est ProSense qu'on prend et euh, ça doit être Eleïs Four alors on fait une pub sur une marque, Je sais <laughs> si on a d'autres à citer si d'autres ont d'autres marques à proposer <laughs> n'hésitez pas donc ça existe en tout cas, on peut être aussi en, en, en oui, produit oui. à... il y en a et même four friteuse, les grilles, les plantes chaffes hein, il, euh... il, il est il est pratique bon ça il faut frotter un peu plus mais il, est, il fonctionne <laughs> Merci. Ensuite, il y a une question pour Eric par rapport au, au gaspillage. La question est comment, voilà, comment, vous pouvez préciser un peu ce qui est mis en place et comment euh, euh, vous faites la séparation entre gaspillage alimentaire et biodéchets issus de la préparation. Alors oui, effectivement, là, c'est compliqué de, de faire une différence entre juste euh, le menu et, euh, et, les, et les pots de, de bananes ou fruits ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est là où c'est compliqué, dans le sens où c'est en fonction des trimestres, qu'est-ce qu'on a mis principalement au menu. Et après, en fait, il y a des actions plus nous de notre côté. C'est au retour des, des containers, donc du, par rapport au menu du jour, les agents regardent un petit peu dans, la, dans les belle de biodéchets en fait voir ce qui ce qui a eu plus de déchets ou quoi sur, en fonction du menu c'est là où on va se rendre compte vraiment euh, par rapport aux légumes ou aux plats quoi parce que les quantités euh, à la fin du trimestre enfin de chaque trimestre euh, c'est tout tout l'ensemble mélangé donc là c'est compliqué à savoir vraiment le grammage donc faites de temps en temps des, bah, des vérifications, des vérifications euh, euh, oui. sur place euh, par rapport au container, euh, voilà, il n'y a que cette démarche-là, en fait. Et les retours aussi des, des références sur site, les références des réfectoires, elles nous font, elles nous font une, enfin, une transmission pardon, euh, bah, de ce qui a été plus gaspillé. Et afin de rectifier la prochaine fois, au niveau des quantités, ou comme je, tout à l'heure, je parlais des épinards, mais l'accompagner peut-être avec autre chose, des pommes de terre ou autre. Euh, voilà, c'est. Et on est là aussi pour la diversification des, des menus et la découverte des saveurs. Donc, après, c'est vrai que ça va être des ateliers aussi le jour J sur les, les goûts, quoi, je veux dire. Et le, tout le monde est impliqué, le personnel ainsi que les animateurs. Là, c'est un travail de, 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 de tout le monde, quoi, je veux dire. Pas que de la cuisine. Il nous reste deux minutes avant de clore cette première partie du webinaire. Marie-Cécile, est-ce que tu aurais encore une question à remonter euh, alors, il y a une question sur l'impulsion politique euh, des élus. Euh, Est-ce que dans vos exemples, voilà, euh, les, 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 les élus, le maire ou euh, élus de la collectivité, euh, voilà, quelle impulsion ont-ils donné ou comment les associez-vous si ce n'est pas eux qui ont donné l'impulsion euh, oui, donc en fait, c'est d'abord une volonté euh, politique et puis il euh, faut un encadrement, bien sûr, de, de la hiérarchie. Moi, je suis dans une petite commune et c'est vrai que c'est la volonté de la mairie, donc euh, c'est beaucoup plus simple pour moi de, de mettre des choses en place. Euh, comme j'ai l'appui de, de la mairie du conseil municipal, euh, c'est vraiment, vraiment plus facile, en fait. En fait, c'est c'est une organisation collective et euh, chacun chacun apporte sa, sa pierre à l'édifice et il faut que tout le monde soit soit lancé dans le projet pour pour que ça puisse réussir sinon tout seul c'est je pense que c'est impossible mais bon moi j'ai la chance d'avoir euh, vraiment une euh, des élus euh, mobilisés pour ça donc euh, donc c'est beaucoup plus simple pour moi en fait. Et il nous reste à remercier chaleureusement les intervenants, à leur dire bravo pour euh toutes les pratiques responsables qu'ils mettent en place. On vous propose de se retrouver jeudi 20 mars à la même heure pour une émission qui sera consacrée à un nouveau territoire.